L'opération est terminée. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Et bah ça y est, premier vlog depuis le retour à l'île Maurice. Là je suis à Montreuil, dans le 93. Ça change d'ambiance, mais j'espère qu'on va bien manger. Du coup on va se faire un resto entre personnes qui sommes de retour de l'île Maurice. Je vais retrouver Salah avec qui j'ai partagé le séjour. Allez voir les 4 vidéos hein, qu'on a tournées là-bas, franchement c'était chambé. Et on va retrouver aussi un personnage que vous avez découvert peut-être pendant le séjour. C'est Didier, qu'on avait appelé Camaro parce qu'il avait fait un jeu de mots sur Camaro en début de séjour. Du coup vous savez comment c'est hein, quand vous partez en vacances. Il y en a un qui fait une connerie au début du séjour, ça lui colle à la peau tout le temps. Du coup maintenant on l'appelle Camaro. Bref, venez avec moi, attention. Gros concept qu'on va tester aujourd'hui. Ça va, Salah ? Ça va, bonjour, Florian. Camaro ! Ah là là, ça fait bizarre de te voir ici. C'est cool ça ? Ça, c'est une doudoune là-bas, on se voyait en maillot de bain. Bah ouais. C'est la première fois qu'on se voit habillé. C'est vrai. Enfin, si je puis dire. D'habitude, t'as un maillot de bain. D'habitude, t'as un maillot de bain. T'as changé, on a repris les habitudes en retour d'île Maurice. Toi, tu t'appelles ? Abdel. Et c'est ton resto ? Ouais. Ah là là, et Salah, il m'a parlé, il m'a montré avant qu'on parte à l'île Maurice. J'ai failli annuler l'île Maurice quand il m'a montré ce qu'il m'a montré parce que je voulais venir. Ah, et ouais. Je me suis dit ça, après tout le monde va le voir, tout le monde va venir. C'est vrai que t'as hésité, tu m'as dit on va à Maurice ou on va déjà ? Ouais. Déjà, on avait hésité avec l'île chez Maurice. Après, on hésite avec My French Cantine à Montreuil. Voilà. Donc, ici, c'est quoi? C'est un peu en mode fast casual, c'est ça? C'est ça, c'est ça. En level un petit peu. Voilà, on essaie de monter un peu le level. Et il y a notamment une petite nouveauté. Tu peux dire une grande nouveauté, n'aie pas peur des mots. Ça là, c'est l'un des rares. C'est déjà à la carte ou ça arrive là? Non, c'est à la carte. Ça y est, c'est à la carte. Ok, ça là, il l'a testé au tout début. On a fond dedans là. Et du coup, on va tester ça aujourd'hui. J'ai déjà mangé, je le reveux encore. Eh bah, go. Ce truc là, c'est unique. On va nulle part ailleurs de toute façon. C'est le rythme de l'île Maurice là pour le service ou quoi? Doucement, l'île Maurice, tranquille. Allez, à l'île Maurice, il disait toujours doucement le matin, pas trop vite l'après-midi. Ouais, c'était vraiment bien avéré. Hein. Une heure et demie pour sortir à plat, l'île Maurice. C'est pas le rythme mauricien ici? Non, du tout. C'est 13, c'est à fond. Ouais. À fond les ballons. On a un problème de plaque. Hein. Ah ouais? On a chaque fois que je viens. Je vous le dis, la première fois où j'ai fait une vidéo avec Salah, en 2018, on était allé loin, à Guyancourt. On arrive, coupure d'électricité générale dans tout le quartier. Ouais. Et EDF dit ça revient pas avant 1h du matin. Donc c'était mort. On a mangé une salade au lieu de manger des crêpes. On a l'habitude. Donc t'inquiète pas, c'est à la bonne franquette. Comme à Top Chef, t'as vu, on sort quelque chose. Exactement. C'est l'épreuve du jour. Donc en fait, ce qu'on va vous montrer et ce que vous faites ici, c'est un truc que vous avez repéré sur TikTok, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. Et en fait, ouais, on avait vu des vidéos et voilà, on a essayé de refaire ça, quoi. Le truc, c'est que quand tu vois certains trucs sur TikTok, tu dis que c'est super simple à faire, ouais. Mais ils te disent pas comment ils ont fait. Et quand tu essayes de le faire, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Il faut vraiment un process. Faut se prendre la tête et voilà, qu'on a essayé plusieurs techniques et on est arrivé à quelque chose quand même. Ok. Ouais. Donc là, vous avez fait des tentatives, ouais. Et ça ressemble à ce à quoi ça devrait ressembler. Voilà, ça plaît bien, on nous le rend bien parce que ça marche bien. Ah, ouais. Mais du coup, tu veux pas montrer le secret parce que toi-même, t'as galéré pour le trouver. Donc, on va vous montrer les images et puis après, bah, si ça vous plaît, à vous d'essayer de... Après, on a le nez grand parce qu'il faut le finir. Hein, tout le folklore après. Donc du coup, on vous explique ce qu'on veut faire. Je veux faire un hamburger avec des frites. Sauf qu'à la place du pain, on met des frites. D'accord, donc ça va remplacer le pain, donc tu vas faire quoi? Un peu des galettes de frites? C'est ça, on va mouler une gaufre avec des frites et on va faire un hamburger derrière. Donc déjà il nous faut des frites. Des frites fraîches. On les a, frites fraîches. Bon bah vas-y hein. Allez. Hop là, tu les prends. Dans le gaufrier. Tu les mets dans un gaufrier. Voilà. Y'en a assez là? C'est bon? Bah je pense hein, après c'est toi qui sais hein. Et après on ferme. On ferme. Et donc là, tu vas nous faire croire que ça marche juste en faisant ça, alors qu'en fait, il y a un autre truc à faire que tu veux pas nous montrer, c'est ça hein, voilà, c'est ça. Il y a eu du temps de passer. Voilà. Parce que sur TikTok, ils font genre, ils ferment et après ils ressortent et ça te fait la galette. Ils font genre ça. Mais nous, on fait genre ça. Mais on vous dit que ça suffit pas. Et franchement, dans les commentaires, si vous trouvez, essayez de balancer. C'est l'énigme du père Fourra un peu. Hein. tu vas faire un truc et après, on va voir comment ça sort, c'est ça? Ouais. En fait, on va rien voir de plus là. Juste quand il l'ouvre. Quand il l'ouvre, ah ouais. Tu verras vraiment le pain de gaufre en pied. Quelques minutes plus tard, après un tour de passe-passe, monsieur le magicien. Et voilà. Ah ouais, ça fait pas un mal, vrai. Ça fait puissant quand même. Ouais. Mais donc voilà, ça s'est pas fait comme ça, il y a eu une petite manip qu'on n'a pas vue entre les deux. Voilà,
on va dire qu'on l'a sublimé. À vous d'essayer de trouver l'énigme. C'est un peu le jeu de l'énigme culinaire. Ah, là, c'est pas mal. C'est pas mal. Hein. Ouais, ouais, franchement, faut le trouver parce ouais. que il y a une vraie recette en fait, l'air de rien. Ouais. Ouais. Attention, ça arrive. Oh là 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 là. Ça se mange à la main, ça? Bah écoute. Il faut mettre ah des gants. Ah ouais, mettre des gants. Ah ouais. Ah, et vous fournissez les gants? Ah ouais. Oh là là, et voilà les quesadillas. On va faire de la chirurgie. Ils nous fournissent les gants. Bon bah écoute, on va attaquer. Donc voilà, ça ressemble. Donc vous avez bien vu hein, à quoi ça ressemble. C'est une gaufre, mais en fait cette gaufre a été faite exclusivement avec des frites. Et à l'intérieur, c'est façon burger. Donc ils ont mis du cheddar dessus. Ils ont mis du bacon. Il y a un beau steak. Du fromage aussi dedans. Qui attaque? T'attaques d'abord, on allez, y va ensemble. Allez, j'essaie. Allez, vas-y. Avoir du dégât. Mmh. Ah ouais. Mmh. Est-ce qu'on a des serviettes, s'il vous plaît? Il pense aux gants, il pense pas aux serviettes. Hein. Toi aussi, t'en as partout. Ça me rappelle là, la cité de la peur. T'as un petit bout de morceau de patate. T'as un petit bout de patate. Toi aussi, t'en as aussi. Et c'est juste la première bouchée. Dans ce que je disais, Didier, est-ce que si on t'avait pas dit que c'était des frites... Tu sens le goût de la pomme de terre quand même. Tu sens mais que c'est de la pomme de terre, ouais. Ouais, 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 le goût, tu reconnais que c'est de la pomme de terre. Pardon, hein. J'ai une certaine poigne, donc forcément, ouais, oui. Ça dure pas longtemps. Ah, tu... Lui, ça va, lui. Moi, j'essaie de me faire quand même propre. Moi, je suis déjà en mode purée mousseline, moi. Ça nous a fait un hachis parmentier. Ah ouais, là, je vous ai fait. Moi, c'est devenu un hachis parmentier. Mais bon, voilà, faut y aller mollo. Et puis après, vous pouvez manger avec des couverts aussi. Hein. T'as toujours un petit bout de patate. Genre de plat très raffiné. Premier date. Ouais. Tu prends ça avec ta copine. Je pense que là, on est bon. Ce que j'adore, c'est que Salah me dit pour la vidéo, mange-le à la main, tu vas voir, avec les gants, c'est top. Mais lui, en attendant, il prend des couverts. Il y a des manières quand même. Il y a des manières. C'est vrai que voilà. C'est moins rigolo, mais je pense que c'est moins casse-gueule. Allez. Bon, c'est quand même balèze. Hein. Ouais. Oh là là. Bien relevé la sauce et tout. Ouais. C'est vraiment à la mexicaine. Hein. Ah, et là, on est en Didier qui est en train de terminer sa gaufre. Voilà. Alors, on en est où, docteur? L'opération est terminée. Ça s'est bien passé? Le patient va très bien. Franchement, je trouve que les quesadillas, avec le guacamole ou la petite sauce relevée, sont super bonnes. La vérité, c'est que entre le nouveau concept, là, le burger gaufre frites et la quesadillas, au niveau gustatif, je préfère la quesadillas. Je suis d'accord. T'es d'accord. La quesadillas, elle est excellente. Ah ouais, elle est excellente. Le truc, c'est rigolo, c'est pour le fun, c'est instagrammable. C'est bon aussi, hein, mais... C'est pas pour notre âge, Flo. Ouais, c'est pour les jeunes. Ouais, ceux qui ont vraiment... Quesadillas, ça, c'est un truc d'ancien. Bon, Didier, t'es prêt pour le plat? Allez, c'est parti. On va filer l'entrée, c'est bon? Ouais, franchement. Non, parce que lui, on dirait pas comme ça, mais il nous a fait des phases à l'île Maurice. Le dernier soir, il a pris juste un chirachi saumon en disant « oui, c'est light » et tout ça. Après, il a fini la côte de bœuf, il a fini les pâtes aux langoustes, il a fini quoi d'autre? Escalope de veau. Escalope de veau, tout ce qu'il y avait, il finissait. Au final, il a payé un plat, il a eu les plats de tout le monde. Oh, ils savent faire les desserts. Encore des gaufres, mais en mode corn dog, là? Ouais, gaufre fourré. Gaufre fourré à quoi? Nutella et caramel. Ah, il est génial. Ah ouais, donc on a le pot de caramel. C'est du caramel ou c'est du chocolat? Il y a les deux là. Il y a les deux, génial. Les deux, et tu trempes dedans? Tu trempes, tu mélanges. Magnifique. Ça, c'est de la charlottine. Ah oui, des petites charlottes. Voilà. Ah ouais, il y en a toutes sortes. Il y a Didier, j'ai pas eu le temps de filmer, il a attaqué la charlotte au chocolat là. Elle est terminée. Et il en a déjà fini une, alors lui. On perd pas de temps. C'est vrai que le corn dog, on a déjà vu dans mes vidéos, en fait, c'est un peu une gaufre avec une saucisse au milieu et comme ça tu la manges comme ça sur le petit piquet. Là c'est en mode sucré, du coup ça va permettre facilement de tremper dans le chocolat. Je voulais qu'un chirachi, tu vois. Ah bah ouais, tu te retrouves à manger 4 desserts. Jamais, mec. Oh là 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 là. Encore, la serviette est nécessaire. C'est fourré, donc à l'intérieur. Et en plus de ça, je trempe dans le chocolat. Chocolat plus chocolat égale chocolat. Chocolat. Eh ben franchement, elle est mauricien, ça fait plaisir de vous avoir revu à Paris. Hein. Ouais, pareil. Ah là là, bon, c'est autre chose. On est un peu plus couvert, il fait un peu plus froid. Ah, on a bien mangé. Ouais, très très bon. C'était vraiment bon. My French Cantine. Alors là, attention, on vous a montré juste 2-3 plats, mais ils font... toi, Salah qui connaît l'endroit, ils font tout. Ils font même de la viande. Ouais, ils font de l'entrecôte, exactement. Filet de poulet, tu peux manger healthy, etc. Ouais. Des pokéballs même. Et des pokés, ouais, c'est ouais, vrai. C'est après, vrai. T'as que le French Cantine Montreuil qui fait ce fameux burger gaufre. Ah ouais, d'accord. Tu vois, les autres French Cantines le font pas. C'est une signature de ce resto précisément, en fait. Hein. Si vous voulez le tenter. On n'a pas pris les autres plats, c'était une demande de la direction quand ils ont vu qu'il y avait Didier.
Ils ont dit sinon, c'est élégant. Sinon ça va être sold out trop tôt, donc on peut pas. Merci les gars, à très bientôt. À bientôt. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Oh, vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian R. Twitter, ouais. Snapchat, TikTok, Instagram, c'est aussi Florian R. Ouais, il sait. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?